Il existe de multiples situations cliniques qui peuvent faire évoquer une maladie de Fabry, étant donné que cette pathologie, dans sa forme classique, est multisystémique. On peut se retrouver face à un patient qui consulte en dermatologie pour l'apparition de lésions érythémateuses qui s'avèrent être des angiokératomes, assez spécifiques de la maladie de Fabry lorsqu'ils apparaissent plutôt à un âge jeune. Il peut également s'agir d'une consultation d'ophtalmologie classique qui met en évidence fortuitement une cornée verticillée. Enfin, il y a d'autres situations non spécifiques qui peuvent faire évoquer une maladie de Fabry. Cela peut être un bilan de douleur, bilan d'acroparesthésie, de douleur diffuse ou de douleur digestive qui peuvent amener le patient à consulter en gastro-entérologie. Bien entendu, le bilan de cardiomyopathie hypertrophique réalisé par le cardiologue, le bilan d'une protéinurie et ou d'une insuffisance rénale au cours d'une consultation de néphrologie et enfin, le bilan d'AVC ou d'AIT du sujet et jeunes qui peuvent mener à évoquer le diagnostic de maladie de Fabry. Toutes ces situations sont variées, multiples, et il est parfois difficile d'évoquer la maladie de Fabry car la présentation de celle-ci est souvent non spécifique.